Salut à tous, c'est Macogneur Minou, on se retrouve dans un nouvel épisode sur KOTOR. Dans le dernier épisode, on avait avancé dans notre quête pour devenir Padawan. On avait passé les deux premières étapes, on avait réussi à apprendre le code Jedi. Et on a aussi réussi à concevoir notre premier sabre en choisissant la voie des gardiens Jedi. Donc les sabres laser bleus. On arrive dans les plaines. Ici, on a une petite nénette qui veut qu'on retrouve son droïde. Et ici, un espèce de blédard qui veut nous refiler des trucs hors de prix. Voilà, et on commence déjà à attaquer des chiens. Alors, je peux pas utiliser les éclairs, je crois que c'est parce que je suis trop loin. Je vois pas. Bon, on va y en avoir une blinde, hein. Y a ça. Attendez, je vais en profiter, juste baisser un petit peu la musique. Encore un petit peu, on baisse un petit peu les bruitages. Voilà, les musiques de combat sont un peu fortes. Alors je pense qu'on est parti pour un genre de petit labyrinthe. C'est quand même des belles plaines. Bon, c'est pas un monde extra ouvert, on peut pas vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut pas monter là-haut, voilà, c'est assez délimité, mais c'est pas mal quand même. Ici on a Mandalorien. Vous cherchez encore à nous voler. Comme vous refusez de nous donner l'argent auquel nous sommes droits, nous allons devoir vous le prendre par la force. Non, je vous en prie, prenez plutôt ma femme et mes enfants. Au calme. Alors, j'ai le souvenir que, ou c'est peut-être dans dans The Old Republic, que les Mandalores sont vraiment très costauds. C'est généralement des boss. Là, j'ai un petit peu peur. J'ai pas sauvegardé en plus. On va vraiment focuser là-dessus. Et c'est nul là. J'ai deux tireurs et j'ai qu'un. Ready. Bon, ça va. Bon, voilà, donc je ne peux pas utiliser les éclairs puisque je possède une armure. Et c'est vrai, j'avais oublié, les membres de la force n'utilisent pas d'armure. Il me faut une petite tenue légère. Ah, est-ce que je vais trouver un string d'ici qu'on avance un petit peu, je ne sais pas. C'est très joli tout ça. Très 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 joli. C'est... Les droïdes me font peur, hein. Depuis les tourelles, donc je vais quand même sauvegarder avant de jouer au con. C'est une propre. Je suis programmé pour ne répondre aux agressions que lorsque, dans le cas où je suis désactivé, partez. C'est quoi? Ok, bon. Il y a sûrement de quoi jouer niveau quête là-dedans, mais pour l'instant c'est bloqué. On va avancer. Regarde, avoir encore des chiens là-bas. Petit toutou. Je me souviens que à l'époque, j'y jouais tellement. J'ai tellement galéré que je connaissais les plaines. À force de faire les quêtes et tout, je connaissais les plaines par cœur. You asked for this! Time to rumble! J'ai un peu plus costaud, hein, les cornules, hein. Je pense pas qu'il m'ait donné une petite veste. Une bure déjà. Généralement, c'est les vêtements qu'on peut utiliser. Là, je n'en ai pas. Dans The Old Republic, le MMO,
Des fois, il y a des holocrons cachés qui te permettent de vraiment débloquer des trucs, des bonus sympas. Dans ce jeu-là, je ne pense pas. Oh. Wow, wow, wow. Ready? You asked for this. Ha! How'd you like that? Ha! How'd you like that? Ha! How'd you like that? Oui, font mal les pépères. Hein. C'est les cornus qui sont un peu chiants. Sinon ça va. Sinon je gère. On va essayer de les éviter un max quand même, qu'on perde pas trop de temps. S'il faut, moi en off, je spammerai un petit peu l'XP. Regarde comment il galope. On va le laisser partir tranquillou. Va chez ta mère. On aurait peut-être pas dû les laisser se rassembler là. Je sais pas ce qu'il fait. Oh. Des ruines. Je veux pas spoiler, mais ça ressemble aux ruines de Revan. Oh, je me demande s'il faut pas Bastila. J'aurais peut-être dû la choper. Bon, bref, c'est pas grave. Quoique, non, Bastila, elle est inutilisable, elle est bloquée avec le conseil. Avec l'ordre Jedi, et donc du coup. Yeah. On va mettre les brassards et on va aller bourriner du chien. T'as pas de brassard, toi. Ready. What? Allez, go. How'd you like that? Bon, on encaisse quand même vachement plus avec les brassards, hein. Ça c'est sûr, c'est logique même, j'ai envie de dire. Yes. Pour l'instant, j'ai du Medipack, on va l'utiliser ça. Peut-être qu'au prochain niveau, j'utiliserai le, je prendrai le soin de force là. Est-ce que t'es tout seul? Oh merde, y'a encore un cornu. Let's go! How'd you like that? How'd you like that? On essaye un petit peu d'avancer, mais je crois que pour l'instant, là, on a tout vu. Ici. Faudrait qu'on aille là, à la rigueur. C'est là d'où on vient, donc j'ai envie de dire ok. Bah écoutez, on a tout fait, on va voir quand même si on passe par là. Cette petite musique est apaisante. Futé.
Ça me dit quelque chose, futé. Je crois qu'il m'en a parlé dans la mission. Putain, il y a du peuple encore. Je me suis auto. Je me suis étourdi. Alors là, on dit bravo, bravo monsieur. Allez, réveille-toi. Ok, bon. Ouais. Merde, j'étais. Allez, je prends toi, Kars. T'as un bout portant. Une balle entre les deux yeux, c'est fini. Yes? Hein? Allez, soigne-toi. Bon, on s'est bien fait exploser le cul. On va aller. Le problème avec ces bestioles, c'est que c'est pas nettoyé pour toujours. Ils repop assez souvent. Propriété cendrale, c'est encore une propriété, ça ne m'intéresse pas. Je vais avancer dans la mission. Quelqu'un là-bas, là. Je crois que c'est... Ah non, j'allais dire c'est mon maître, mais non. Apprenti, j'ai besoin de votre aide. J'ai été envoyé par le conseil pour enquêter sur un meurtre. Je ne suis pas familier avec les coutumes, la nature de pensée humaine. Allez, m'en fous. Toi, t'es qui? Salutations, je suis... Si vous avez besoin de mes services, j'ai déjà... Avez-vous besoin d'une cal... C'est plein gros d'animaux sauvages. 35 attaques de colons par des chiens 4. De petites... Avez-vous besoin d'une autre information? Mon analyse préliminaire du corps indique qu'il a été tué il y a environ 3 heures d'un seul coup énergique porté au torse. Avez-vous besoin d'une... Très bien. Ok, bon. Je suis Andon Guild. Vous avez entendu parler de moi peut-être. Dans ce cas, vous voulez sans doute que je vous raconte mon histoire. Vous reconnaîtrez sûrement... Ouais, c'est ce qu'il raconte, c'est pas du tout ce qu'il m'a dit, mais... Vraiment? Je vous donne ma parole que je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Mais je ferai mon maximum pour vous aider dans votre... Tout à l'heure, je courais de l'autre côté de ce pont-là. Oui, je fais beaucoup de courses à pied. Soudain, j'entends un coup de feu, qui venait de cette direction. J'ai vu Ricard qui sortait de l'ombre des rochers, du côté sud du fleuve. C'était louche. Alors j'ai tout de suite appuyé sur mon bouton d'urgence pour appeler l'enclave. Voilà mon histoire. Un autre Jedi, hein? Je suis Ricard Lousoff. Peut-être que vous pouvez comprendre ça et me les... Donc j'étais dehors en train de chasser les Irias quand j'en ai vu un sur le pont. J'ai épaulé... Alors j'ai tiré, il est tombé. J'ai marché vers lui et j'ai trouvé Andon debout au-dessus du corps de Cald... Alors pourquoi ne mettez-vous pas fin à cette farce en envoyant ce génie? Bon, c'est là qu'on doit mentir, normalement. Oh, pas coupe. C'était plutôt drôle, mais ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Ronde
Di hotonga kun honka bi. Jedo ba do wana ni di bobo ta kun. Jedo ba. Ah. Ronda di hotonga kun. Jedo ba do wana ni di bobo ta kun. J'ai envie que ce soit Andon parce que il a l'air innocent et je veux des points obscurs. Là on a mis, là on a mis. Oh c'est bon. Tong hai tuam jiji jong lumpa. Ni ta poe tikito. Ta ko. C'est tout. Ok. Oui, il va manda. Attends, parce que c'est pas fini. Oh là là. Ok, bon bah dégage. Il y en a partout, c'est ouf. You asked for this. Je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'ils deviennent moins agressifs quand on a réussi à éliminer la source. Oh non, ils sont partis là-bas, c'est couillon, oh putain. Time to rumble. Time to rumble. Toi c'est le moment, boum. C'est quoi ça? Bon, on va continuer d'avancer parce que pour l'instant il n'y a rien de bien intéressant dans cet épisode. J'aimerais bien qu'on bouge un petit peu. Propriété matale, c'est une propriété, ça ne m'intéresse pas. Là-bas il y a quelqu'un là. Des Mandaloriens. Qui dit Mandalorien dit baston. Qui dit baston dit on se prépare. C'est peut-être trop tard. Yes. Take that. Let's go. Ah le con. What? Yeah. Huh? Yeah. That didn't hurt, I said. What? Down you go! Bon, ça c'est fait.
Bloc de données, on va lire un petit peu ce bloc de données. Car c'est parti où ? Il est là. Bon écoutez, on va arrêter l'épisode ici. Moi je vais continuer de jouer comme je le fais à mon habitude. Donc on se dit à un prochain épisode, on va essayer d'avancer et de trouver un petit peu la source d'agressivité de ces chiens cars, là, tout ça, et ce qui est censé être notre troisième épreuve. Donc voilà, à la prochaine, bye bye.